Die Professoren sind fast, fühlen sich als Götter. Hm? Ein Mikro. Ein Mikrofon funktioniert. Ja. Wir haben zwei gehabt. Ja. Das war difficil. De la lumière, donc mon successeur est là, ouais. Hein, maintenant. Est-ce que vous voulez voir oui. Le bureau où j'ai souffert? Absolument, oui. 30, c'est à garde. Vous savez souffrir là? Non, j'étais maître, j'avais un frigo à lavabo. Ah bon. J'ai vu pratiquement deux générations d'acteurs du social qui ont passé dans cette pièce. Ouais, ouais. Alors, je ne sais pas, des noms, ça va des personnes qui sont devenues terroristes en Italie, en passant par des évêques, qu'est-ce que vous voulez, il y a beaucoup de monde qui a passé là. Au début, c'était après mai 68, les filles fumaient la pipe dans les salles de classe. Tout le monde était à gauche, bien que ce n'était pas profond comme position. Hein? Maintenant, tout le monde doit faire de la recherche dans ces milieux. Hein? C'est, vous voyez, ça, vous êtes dans le bureau de l'un de mes successeurs, un ami proche. Il y a des livres, il est chef de la recherche ici. J'ai fondé ça il y a assez longtemps. Quand je faisais de la recherche il y a 35 ans, c'était une activité clandestine. Maintenant, c'est la condition pour avoir un statut normal dans la maison. Mm. Voilà. Alors, seulement il y a 35 ans entre les recherches clandestines, personne ne savait ce que c'était, et puis l'Empire actuel. Mm. Que j'ai fondé. Hein? C'est le centre de recherche. Forschung, wo die junge Forscher arbeiten. Non, au début, on a travaillé sans structure, ce qui nous laissait du temps pour chercher. Et puis maintenant, il y a beaucoup de structures et puis beaucoup de gens avec une hiérarchisation. Hein? Et puis, mais bon, il y a beaucoup de... Ça grandit beaucoup, l'école. Hein? Wir haben nicht ein Zentrum gebaut. Ein Zentrum. Niemand hat Interesse für ein Zentrum. Mm. Hein? À moins d'être l'ONU ou bien le National Fonds. Ce sont des personnes hein, qui ont travaillé, qui ont publié, et après on s'adresse à eux. Et puis ces personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, collaborent. Souvent ils collaborent. Hein? Il y a beaucoup d'amis. Moi j'avais beaucoup d'amis en tout cas. Ici. Je parle des relations humaines avant la bureaucratie. La bureaucratie, c'est du temps perdu. Il faut un peu comptabilité, mais c'est tout. Alors, il y a des amis dans la durée. Hors caméra, Jean-Michel Bonvin a été mon voisin au village et mon étudiant. Jean-Pierre Tabin a été mon étudiant. J'avais publié des livres. Und so weiter, et d'autres encore. Enfin, les chercheurs, en tout cas. Parce que vous êtes dans une institution qui n'est pas trop répressive. Nulle part ailleurs, ce serait autorisé. Ah, d'accord. Ouais. Non. Trouvez-moi un lieu où vous avez l'autorisation de faire ça. Dans un centre de recherche. De venir bouffer avec le plateau. Voilà. La théorie de la recherche. Ouais, c'était bien. Mais, et j'aime la modernité, j'aime le progrès, j'aime qu'on avance et qu'on fasse mieux. Mais j'ai un critère que j'ai vécu très clairement.
c'est que quand j'ai commencé ici, et j'avais une activité complète, recherche, action, engagement social et tout ça, je passais 85% de mon temps à faire ce que je savais faire, enseigner, chercher, écrire, faire des cours. Après la bureaucratisation, les dernières années de ma carrière ici, il n'y avait plus que 38% qui étaient consacrés à ça. Tout le reste était absorbé dans des rencontres, des réunions. Heureusement, je n'allais pas. Hein? Ce qui m'a permis de sauver du temps pour étudier et chercher. Mais si j'avais eu peur, si j'avais été plus jeune, plus fragile, j'aurais perdu beaucoup de temps. Et c'est ça que je reproche. Mais ce n'est pas la modernité, ce n'est pas la recherche de qualité, ce n'est pas la diffusion, ce n'est pas l'internationalisation du débat, ce n'est pas les contacts. Oui. Mais s'il faut remplir 20 feuilles pour dire qu'on n'a rien fait, hein, c'est du temps perdu. La confiance, la collaboration, c'est aussi du face-à-face. Hein. On peut envoyer 30 000 mails par jour, on n'a pas encore créé une équipe de recherche. Die neuen Bürokraten in den Schulen haben entschieden, jeder Professor muss eine Ausbildung in Pädagogik haben. Wenn ein Professor keine Ausbildung in der Pädagogik hat, ist er unterbezahlt oder muss weg. Ich bekomme einen Brief. Haben Sie eine Ausbildung in der Pädagogik? Und wenn Sie nicht, Sie werden ein plus bas salaire. Ich habe gedacht, das war ein Spaß und ich habe in den Korb geschickt. Ich bekomme einen zweiten Brief und ich gehe bei diesem Mann, es geht. Und ich erkläre, ich habe gesagt, weißt du, ich bin Doktor en sciences sociales et pédagogiques. Docteur en sciences sociales et pédagogiques, c'est mon officiel titre. J'ai écrit 3 livres internationaux traduits, dont l'un traduit en 8 langues, sur comment faire un mémoire et un guide pour le temps des études. J'ai enseigné 34 ans. Tout le monde me connaît pour mes capacités publiques. Tu veux quoi comme papier? Il va vers la commission et la commission refuse. Alors, je vais voir la directrice, qui est une fille que je connais. Tu sais que je connais bien les médias, la presse. Faut pas m'emmerder. Mais je monte dans mon bureau et je trouve dans mon tiroir à côté un papier, un diplôme. Der Name von diesem Diploma war De cura animarum, im Latein, diplôme für traitement des âmes. Ganz im Latein, Unterschrift der Dekan, der Bischof und so weiter. Die Kommission hat das angenommen. Das ist Formalismus, aber auf erste Ebene ist Formalismus, auf zweite Ebene ist dieser Korporatismus, diese Verteidigung der Würdigkeit der Beruf. Und man muss immer mit 2 Hypothesen die Geschichte lesen. Ne? Geschichte, Hypothese Entwicklung,
Dienstleistungen und so weiter. Und diese Hypothese Verteidigung der Zum Beispiel, man sagt überall, dass im Sozialwesen die Leute sind links, ja? Progressiv, engagiert. Das stimmt, ja. Das ist eine Illusion. Eine Illusion. Ja? Die Leute sind passiv, sind manque de courage, ja? Sont peu inventifs. Et puis, je pense qu'ils sont très à droite. Ça, c'est une histoire secrète du travail social en Italie, etc. C'est les années de plomb, l'histoire du terrorisme italien. Dans le garage. Les livres signés par les assassins de Moro. Brigate Rosse. Si, si, si. Signé personnellement. Aldo Moro. Ah, voilà, mais ça c'était juste. Ah ouais. Super. Attention. Je vous fais quelque chose à manger. Oh, volontiers, moi. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Je vous prépare un petit peu. Merci beaucoup. Ah, wissen Sie, in der Politik, ich war ziemlich engagiert, war ich sehr oft in Deutschland. Zum Beispiel, ich habe die Krippe von oder Gemeinhof besucht. Ich habe Fritz Teufel, Andreas Bader kennengelernt. Diese Leute waren alle brave Studenten. J'étais là, j'enseignais ici, j'enseignais là-bas, et on partageait avec tous les gens intéressés. Mais cette idée qu'il faudrait que l'université apporte à une HES des choses, ça c'est du paternalisme réchauffé. Un néo-paternalisme. Ici, par exemple, les étudiants à l'époque connaissaient pas du tout les terrains, pas les institutions, ils avaient jamais vu un cas social. La théorie, tu l'as construit avec des faits, en connaissant les Tatsachen. Hein, la différence entre théorie et pratique m'a toujours fait rire. Hein? Tout le monde fait de la théorie, mais avec plus ou moins d'informations, plus ou moins de compétences, plus ou moins d'observation de terrain, plus ou moins de données solides. Tu vois? Alors, ça, c'est le soin.
Tu vois maintenant, l'idéal intellectuel, c'est ça. Ah oui, c'est bien. Tu vois, l'idéal intellectuel, c'est être. Vice-présidente, monsieur le président du Conseil national, meine Damen und Herren, wir wollen nicht Fachidioten werden. Dans notre langue, nous ne voulons pas devenir des imbéciles spécialisés, des spécialisés imbéciles. Or, on a effacé cette phrase. Je ne suis pas sûr que l'évolution du travail et de l'organisation de nos sociétés ait enlevé tous les périls de la fabrication des fachidiotes. Et je ne suis pas de nature très pessimiste.